Meghan Markle porterait un patch anti-stress lors de sa dernière sortie. Comme l'a indiqué The Mirror, ce lundi 14 août, celui-ci pourrait être bénéfique pour sa relation avec le prince Harry. Meghan Markle est-elle très stressée ces derniers temps? La duchesse de Sussex a été aperçue avec un bracelet au poignet. Cet objet lui permettrait de diminuer le stress qu'elle peut ressentir. Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre le prince Harry et Meghan Markle? Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, les Sussex se sont installés en Californie, où ils semblent vivre le parfait amour. Toutefois, leurs derniers agissements laissent penser qu'il y a quelques tensions dans leur relation. Le 8 août dernier, le prince Harry s'est envolé à Tokyo, tout seul. De son côté, Meghan Markle est restée avec leurs deux enfants et elle a fait une sortie très remarquée il y a quelques jours. À son poignet se trouvait un patch anti-stress, de la marche nue calme. Comme l'a indiqué The Mirror, ce lundi 14 août, il a pour but d'aider à gérer les périodes d'anxiété. Alicia Ortega, une thérapeute, a expliqué que celui-ci est bénéfique pour les relations. Ressentir moins de stress peut aider à communiquer plus facilement, à mieux se comprendre et à être davantage patient avec son partenaire, a-t-elle affirmé. Ainsi, en cas de tension avec le prince Harry, la duchesse de Sussex peut compter sur cet accessoire. Meghan Markle a-t-elle des soucis de santé mentale? Ce bracelet peut laisser penser que l'épouse du prince Harry est confrontée à pas mal de stress ces temps-ci. Selon les informations de page 6, ce bracelet est un dispositif calmant qui active le système nerveux parasympathique, qui permet de retrouver rapidement un état fonctionnel, motricité, attention et pleine cognition, sans effet persistant ni léthargie mentale, peut-on lire. Toutefois, Alicia Ortega rappelle l'importance de se faire aider et pas uniquement avec cet objet. C'est toujours important d'avoir une approche différente, a-t-elle débuté, précisant ensuite, si quelqu'un compte uniquement sur ce patch, sans arborer les problèmes mentaux ou émotionnels qu'il peut rencontrer en parallèle, cela pourrait simplement masquer des soucis plus profonds. Le prince Harry et Meghan Markle ont récemment annoncé leur intention de ne plus travailler côte à côte. Tous deux veulent se concentrer sur leurs projets individuels. Meghan Markle, une duchesse de Sussex très stressée? Sa relation avec le prince Harry pourrait ne pas être le seul facteur de stress de Meghan Markle. En juin dernier, le contrat des Sussex avec Spotify a pris fin. Le couple a assuré que la fin de leur partenariat a été mutuellement acceptée, mais ce sont des propos différents qui ont été tenus par Bill Simmons. Le responsable de la stratégie sportive mondiale de la plateforme de streaming a qualifié le prince Harry et son épouse d'escrocs, affirmant également qu'il n'a pas été informé de leur décision. Il ne reste donc que le contrat avec Netflix et la plateforme attend que le couple fasse des propositions intéressantes. De quoi angoisser Meghan Markle qui semble avoir besoin de se reposer.